Salut les fondus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en Saône-et-Loire, à Saint-Marcel, sur le site de Framatome. Si vous voulez savoir ce qui se passe à l'intérieur, vous allez qu'à me suivre, c'est parti! Du coup, je me trouve dans le hall de Framatome, en compagnie d'Antoine, responsable communication à l'usine de Saint-Marcel à Framatome. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tu viens de le faire, merci à toi Christophe. Oui, c'est vrai. Que fabrique Framatome? Donc Framatome est concepteur et fabricant de l'ensemble de la chaudière nucléaire. Donc ici dans l'usine de Saint-Marcel, on fait tous les composants lourds qui sont à l'intérieur du bâtiment du réacteur. C'est ce qu'on voit derrière sur la maquette. Donc essentiellement cuve, couvercle de cuve de réacteur, les quatre générateurs de vapeur qui sont autour et puis toute la tuyauterie qui va avec. Alors ce qu'on fabrique, c'est une chaudière nucléaire. Donc il y a un premier circuit dans lequel on produit de la chaleur et un deuxième circuit dans lequel il y a un échange qui permet de produire de la vapeur. Et c'est cette vapeur qui va permettre de produire l'électricité en dehors du bâtiment réacteur avec une turbine et un alternateur. Antoine, le nombre de salariés chez Framatome? Alors on est plus de 16 000 dans le monde, plus de 9 000 en France, et juste pour cette usine, on est plus de 1 000 sur le site. Sur le site de Saint-Marcel, oui. Ok, merci. Bonjour Antoine. Bonjour Christophe. Alors actuellement, nous nous trouvons à l'école de soudage chez Framatome. Ici, on a deux grandes familles de soudage. On a le soudage manuel et le soudage automatique. Le soudage manuel, bien sûr, on trouve des procédés classiques comme l'électrode enrobée qui couvre 60-70% de nos fabrications. On trouve aussi le soudage TIG et du soudage semi-auto, MIG, MAG qu'on peut retrouver sur nos différents composants. Et en automatique? En automatique, du soudage fil flux, que ce soit en revêtement ou en soudage, du soudage robotisé. Et puis un peu de soudage TIG aussi, automatisé ou assisté par des potences de soudage. D'accord. L'école de soudage, elle a trois rôles. Le premier, qui est essentiel et qui est majeur pour nous, c'est la qualification de nos soudeurs. D'accord ? On qualifie nos soudeurs pour travailler en production. Pour fabriquer des composants lourds des centrales nucléaires, il faut être qualifié. Donc ils passent des qualifications ici, c'est de l'ordre de 5 à 600 par an. Ouais. C'est énorme déjà. C'est déjà énorme, ouais. C'est déjà énorme. Deuxièmement, on fait un peu de production. Découpons témoins, ils vont permettre d'être représentatifs de nos productions. On va y extraire une centaine d'éprouvettes pour faire des essais destructifs dans la matière. Qui permettront par la suite de faire justement la production dans l'atelier. De valider nos composants en production. Alors finalement, c'est un échantillon de ce qui peut se produire dans l'atelier. Tout à fait. Ok. C'est ça. Et pour finir, et qui n'est pas des moindres, c'est la formation. Tous nos soudeurs qui rentrent passent par l'école pour les préparer aux différentes qualifications, que ce soit des nouveaux qu'on va garder un an en formation avec nous, des personnes prêtes qui sont déjà des soudeurs confirmés qu'on va garder 3 mois et remettre à niveau, et pour finir, des soudeurs qui sont chez nous mais qu'on va faire évoluer sur différents procédés, qu'on va faire souder, entraîner avant le passage d'une qualification. J'imagine que les durées de formation sont toutes différentes par rapport au profil engagé. Tout à fait. On a des formations qui vont être de 3 semaines, 1 mois, et des formations qui vont monter jusqu'à plus de 6 mois. D'accord. Bon, tu vas nous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Je suis dans une cabine de soudage, accompagné d'un soudeur qui s'appelle Aymen. Bonjour Aymen. Bonjour. Explique-moi Aymen, là tu fais quoi? Tu passes une qualification de soudage apparemment. Ouais, je passe une qualification de soudage, c'est un bout à bout en HL045. Ouais. C'est quoi l'épaisseur du tube? C'est du 15 mm. 15 mm, donc évidemment, les passes les unes derrière les autres à l'électrode enrobée. C'est ça. C'est quoi le diamètre de l'électrode enrobée que tu utilises? La 3-2. Ok, en basique? En basique. D'accord. Pourquoi il y a une flamme juste en dessous là? Elle est chauffée pour éviter certains défauts. Par exemple, la fissuration à froid. Ok, donc c'est pour le maintenir à chaud, ouais. Pour éviter justement quand tu passes le soudage dessus, que ça puisse faire un choc thermique entre les deux. C'est ça. Par contre, moi j'ai une question. Qu'est-ce que ce fil là? C'est une alarme en fait qui me prévient si la pièce elle redescend un peu trop bas. Alors je me laisse une marge. Le minimum c'est 150 degrés et là je l'ai mis à 160. Comme ça me laisse une sécurité en plus. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ça fait 2 mois. Ah bah t'es tout jeune recrue. C'est ça. Ok. T'as combien de qualifications à passer en ce moment là? Là j'en vais avoir 2. Ok. Et là t'arrives en fin de qualification? Non, c'est la première ça. Ah ça c'est la première, ouais. Donc après t'en as une autre. Ok. Eh bah écoute, merci beaucoup. Mais de rien. Donc là on va aller voir un des soudeurs en formation. On va aller voir William et on va lui poser quelques questions.
William, bonjour William. Bonjour. Pourquoi tu es à genoux en fait globalement? Eh ben pour reproduire un peu la position qu'on a dans le couvercle. Ah oui, donc c'est représentatif parce que tu peux avoir directement dans l'atelier. Voilà, ouais, parce qu'on va être souvent à genoux, donc pour nous habituer un peu à la position. On est d'accord que les pièces, tu ne peux pas toujours les retourner, donc tu es obligé de t'adapter par rapport effectivement à la... C'est nous qui devons nous adapter. Exactement. Tu es en train de faire quoi là comme type de pièce là? Là, c'est pour un exercice pour faire les adaptateurs. D'accord. Et c'est quoi la matière? C'est de la connelle. Ah d'accord, donc base nickel. Un connelle, c'est une base nickel. Un peu plus difficile à souder que l'acier traditionnel. Ouais, c'est pas toujours évident, c'est un peu plus épais, donc difficile à travailler. Et du coup, là, tu t'exerces aussi bien sur le soudage en position que aussi sur le meulage. Exactement. Parce qu'en fait, c'est toutes les préparations, toutes les opérations doivent être faites évidemment sur position. Oui. En position. Ouais, avec la même meuleuse là, et puis pareil, on meule et puis on soude en même temps. Équipé évidemment de la tête aux pieds pour le soudage, pour éviter les complications. Ouais. Ok. Ah, et du coup, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ça fait 3 ans là. Donc, et là, tu es en formation spécialement pour ça? Ouais, pendant 6 mois là. Pendant 6 mois, là, ça fait un mois et demi que je suis en formation et ça va durer à peu près mi-mars. Entre mi-mars à mars. À l'issue, tu as des qualifications? Oui, pendant le dernier mois à peu près. Ouais, le dernier mois, il y a la qualif qui commence. D'accord. Bon, bah écoute, je te souhaite bon courage. Merci William et puis à bientôt. Merci bien. Donc là, on peut aussi apercevoir Maxime, également en formation à côté de William, pour faire exactement la même situation. Donc là, on a bien 2 cabines différentes, Maxime et William à côté. Alors Antoine, là, je suppose que c'est un complément, une extension d'angle pour le bord à bord. Tout à fait. 10 mm minimum, électrode enrobée. Là, un complément pour le bord à bord de l'HL045 à l'électrode enrobée. Tout à fait. Et là, on est sur le poste de travail de Loïc. On est sur le poste de travail de Loïc. On lui fait un petit big up. Un petit big up. On est sur des moyens automatisés là. Voilà, soudage automatique. Il est en formation avec nous pendant 1 mois. Une semaine, un procédé, formation théorique, pratique et passage de la qualification dans la foulée. Donc là, on est en mode entraînement là. Là, on est en mode qualif. Il est en train de passer sa qualification. Donc là, il est sur la fin de cette qualification. D'accord, donc la pièce qui est ici est un examen de qualification. Oui, c'est un examen de qualification. Il est suivi par le formateur. Alors Antoine, explique-nous un petit peu le soudage soufflu, parce que moi je connais, mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, donc si tu peux nous le présenter rapidement. Oui, alors le soudage soufflu, en fait, c'est l'équivalent de l'électrode enrobée, oui. Sauf que c'est pour la grosse artillerie, quoi. C'est quand on veut souder des fortes épaisseurs. Donc là, on est sur un apport de métal important. Là. Alors, un apport de métal, au lieu d'avoir une âme métallique comme une électrode, on a un fil massif de diamètre, là on est sur un diamètre 4, et au lieu d'avoir un enrobage type électrode enrobée collée sur le fil, là on vient apporter une poudre préchauffée, étuvée, et qui va descendre directement autour du fil. Et le fil va venir pour protéger le bain de fusion, oui. Et va venir en contact de la pièce et déposer un cordon de soudure comme une électrode enrobée. On est d'accord que le flux, à un moment donné, pas tout, mais le flux se transforme en laitier. On est d'accord. Et là c'est quoi comme matière? Là, on est sur un acier faiblement allié. Et là, on est sur quelle longueur, là, globalement, sur une longueur 350-400 mm? 350 mm. Longueur respective des qualifications de soudage. Longueur respective des qualifications de soudage. Quel contrôle il y a à faire dessus une fois que la pièce elle est terminée? Contrôle volumique, 100% radio. Ok, et c'est bon, c'est pour une période de combien de temps? Alors, une qualification, elle est valable 6 mois et 2 ans chez nous, parce qu'on prolonge la qualif. On ne fait pas tous les 3 ans, comme c'est commun, parce qu'on a une population de soudeurs importante. Donc chez nous, c'est tous les 6 mois en confirmation et tous les 2 ans en prolongation. D'accord. Je me trouve à côté de Jean-Luc, soudeur, qui fait partie aussi de l'école de soudure de Framatome. Actuellement, il est en train de préparer une QMOS. C'est quoi une QMOS? C'est une qualification de mode opératoire de soudure. En clair, c'est propre à la production. Ils ont fait une couche de soudage en robot. Ils ont fait une ouverture pour que le soudeur en manuel puisse souder en corniche. Je ne me suis pas trompé. Oui, c'est exactement ça. Donc du coup, toi, tu es en train de préparer justement la QMOS en procédé. Lequel procédé? Le procédé 111. C'est donc électrode enrobée. Exactement. Tu utilises quel type d'électrode enrobée? Quel diamètre en moyenne? Là, c'est de la connelle. Okay. Et le diamètre? Diamètre 4. Diamètre 4 mm? Oui. Voyons, c'est que ça chipote pas. Soulignons d'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? À peu près 10 ans. Ça fait 10 ans. Ok. Et il prépare aussi les championnats de France 2023, les championnats de France de soudure 2023. Ouais, soudure, oui. En fait, pour expliquer, cette pièce représente finalement une éventuelle réparation. Voilà. En inconnelle, parce que en dessous, c'est quoi la matière de l'inconnelle? C'est de l'acier? Oui, c'est de l'acier. Ouais. C'est de l'acier faiblement allié. Ouais. Et donc, toi, tu recharges à l'inconnelle?
Là, je recharge d'abord en acier et ensuite en inconnel. Ah, donc tu as deux matières engagées sur le Cumos. Oui, voilà, avec une liaison bimétallique. Ouais. Il y a combien de profondeur de pièces à recharger à peu près? Ouais, je dirais une trentaine de millimètres. Trentaine de millimètres, ok. Merci Jean-Luc. Antoine, là on s'est dirigé vers un endroit un peu spécial, c'est-à-dire que là on est sur un couvercle. A priori, on est en mode préchauffage électriquement, tu vas nous l'expliquer. Ouais. On va voir aussi une pièce, plusieurs pièces sur le même couvercle, qui sont les anneaux de préhension, les anneaux de levage, parce qu'il faut pouvoir évidemment manutentionner les pièces lorsqu'on en a besoin et pour le mettre en place. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne? Bah, évidemment, on est sur un couvercle, on est sur des fortes épaisseurs. Si on est sur un acier assez chargé en carbone, donc si on ne vient pas mettre en œuvre de préchauffage, on a des risques de fissuration à froid. Donc pour ça, on met en œuvre un préchauffage électrique. À peu près combien de degrés pour mettre la pièce là? Entre 150 et 250 degrés. Et donc là, on met en œuvre un préchauffage électrique sur le dôme et sur les oreilles, les futures oreilles de manutention, de façon à pouvoir réaliser l'opération de soudage à l'électrode enrobée en position. Avec différents contrôles intermédiaires. Là, c'est que de l'électrode enrobée. L'assemblage des deux pièces, c'est l'électrode. C'est que de l'électrode enrobée. Pourquoi? Parce qu'on veut de bonnes caractéristiques mécaniques. Et aujourd'hui, l'électrode enrobée reste un procédé. On a tendance à oublier ce procédé, mais chez vous, il est hyper utilisé. Il est hyper utilisé parce que c'est encore un des meilleurs procédés pour obtenir les caractéristiques mécaniques optimum. À savoir aussi que ce procédé est l'un des procédés, enfin, clairement le plus complet en apport, autant sur les aciers que sur les dérivés d'inox et compagnie. Et c'est vrai que les gens ont tendance à dire c'est un procédé oublié, ce qui n'est pas le cas. Et là, j'imagine pour faire cette opération de rechargement, enfin des doigts d'assemblage des deux pièces, ça peut prendre un certain nombre de jours. On peut aller jusqu'à plus d'une semaine hein, sur certaines pièces en réalisation parce que les chanfreins sont conséquents, sont longs à remplir, les équipes se relaient les uns derrière les autres. Tout en conservant évidemment la température. Tout en conservant la température tout au long de l'opération de soudage. Et puis ensuite, on fera un post-chauffage là pour enlever tout ce qui est hydrogène qui pourrait rester dans la soudure lié à l'humidité, dans les produits ou autres. Du fait que les soudeurs soient hyper importants chez Framatome. Tout à fait. Entre autres des chaudronniers, de tous ceux qui mettent en place. Mais le soudeur a une importance capitale au sein de l'entreprise. Il a une importance capitale et pour nous, l'électrode enrobée, c'est le procédé où ça nécessite une dextérité vraiment importante. Tu me dis à peu près une couverture. Le diamètre le plus petit jusqu'au diamètre le plus gros pour l'électrode enrobée. On peut commencer sur des diamètres 2,5 jusqu'à des diamètres 5. L'objectif, c'est d'avoir un taux de dépôt important, mais il faut rester mesuré par rapport aux positions dans lesquelles on va travailler, par rapport aux matériaux. Par rapport au stade de fabrication, si on est en finition ou plutôt en remplissage, on ne va pas utiliser les mêmes diamètres d'électrode. Eh ben, merci pour toutes ces explications, Antoine. Donc, je suis en compagnie de Gaël, qui s'occupe de la partie robotique. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, peux-tu nous expliquer brièvement quel est ton rôle au sein de Framatome et surtout sur la partie robotique? Donc mon rôle au sein de Framatome, c'est de suivre les chantiers de soudage, de monter les chantiers, de suivre les opérateurs soudeurs, de régler les problématiques et de former également les opérateurs soudeurs de demain. Donc là, on est sur des modes qualification. C'est ça. On n'est pas sur une pièce de production. Non, pas du tout. Quel type de pièce là? C'est quoi la matière? C'est du ferritique et revêtement 309-308. D'accord. Est-ce que le robot va remplacer l'homme? Il ne va pas le remplacer, il va juste aider dans des configurations où l'être humain, l'homme, a des difficultés à souder. Des pièces chaudes, poussiéreuses, une ambiance de travail compliquée. En clair, voilà. Des endroits qui sont difficiles d'accessibilité pour les soudeurs, oui. Dangereuses, le robot pourra permettre justement de pouvoir pallier à ce genre d'activité. Tout à fait. Ok. Alors actuellement, je suis en compagnie de Marielle, qui est opérateur robot chez Framatome. Marielle, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ça fait un an et 9 mois aujourd'hui à peu près. À préciser que d'origine, tu es chaudronnière. C'est ça, je suis rentrée en tant que chaudronnière. Et là, on est en parcours pro pour faire pas mal de procédés en soudage. Et donc du coup, là, on passe la qualification sur le robot. À se finir quand cette formation? Aujourd'hui, normalement, on aura fini aujourd'hui. Alors là, du coup, c'est une télécommande manuelle qui nous permet de faire des réglages quand on est proche du robot. Ça nous permet de vérifier pas mal de paramètres avant le soudage. Donc là, on a les caméras qui nous permettent de voir ce que l'on fait. Donc la caméra qui nous montre le robot en action.
juste en dessous le résultat de notre soudure qu'on vient de faire. Enfin, il y a des paramètres aussi qui s'affichent, j'imagine. Les paramètres seront affichés de ce côté-là. Ah, d'accord. Au niveau du programme, de l'écran d'accueil et de production, en fait. Et là, justement, tu étais prête à aller dans la partie robot pour pouvoir mettre en place l'opération de soudage. En fait. Avec la télécommande, je vais aller mettre en place la tête de mon robot et ensuite je reviendrai ici pour souder en automatique. En fait. Et bien alors, je vais t'accompagner. On y va. J'ai une petite question. Qu'est-ce qui te motive à travailler chez Framatome ? À la base, moi, je suis rentrée en tant que chaudronnière à Framatome. Et donc, du coup, c'est vraiment le travail sur les enveloppes. Et c'est différent, en fait, à chaque production, parce que c'est des productions qui sont très longues. C'est jamais le même jour, en fait. C'est jamais la même journée. Et du coup, ça nous permet de voir énormément de choses, de monter énormément en compétences aussi. Comme c'est une grande entreprise, c'est la culture d'entreprise qui m'intéressait aussi beaucoup ici, quoi. Rappelons, tu n'es pas d'origine de la Saône-et-Loire. C'est ça. Tu es bretonne. C'est ça. Je suis venue spécialement de Bretagne pour le travail, en fait. Ok. Merci Marielle. Merci Gaëlle. Merci Jonathan. Et puis, bon courage pour la suite. Du coup, Romuald, là, l'épaisseur en moyenne de ce que tu as assemblé. On est entre 100 et 120 mm d'épais, tout à charger au semi-auto en multipasse. Il y a quelques passes à faire en semi-auto. Il y a quelques couches et quelques passes à aligner, ouais. Alors, du coup, je vois que tu utilises évidemment des bobines de 15 kg en fil nu. Tu es amené à changer tous les jours ? Tous les jours, au moins une fois par jour, on change la bobine. Ça déroule assez vite, ça dépose beaucoup de métal. Ouais. D'accord, bah, pour ça, effectivement, 120 mm de rechargement, enfin pas de rechargement, d'assemblage, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de métal de port. Ok. On appelle ça une branche, la tuyauterie en fait. Ouais. Et là, je sors de 10 mois aux branches où je soudais des tampons comme ça. Déjà. Et là, aujourd'hui, ton poste, il est actuellement ici. Et définitivement. En fait, à la base, je suis embauché Saint-Marcel. Ouais. Sauf que des fois, les autres entités ont besoin de prêts de soudeurs. Comme là, c'était le cas pour les branches à Chalon. Donc, je suis allé à Chalon pour souder des tampons. D'accord. Donc, en fait, tu es parti d'un endroit pour revenir là. Et OK. Donc, mais tout ça au sein de l'entreprise. Tout ça au sein de Framatome, en fait. Donc, toi, tu es natif de la région ? Ouais. Moi, je suis de Chalon-sur-Saône. Et tu travailles en 3-8 ? Ouais. Bon, OK. Bah, écoute, on va te laisser travailler. Merci pour cette petite explication. Puis, je te souhaite bon courage. Merci. Nous nous trouvons sur le site de Chalon-sur-Saône, à Framatome, en compagnie de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Christophe. Peux-tu m'expliquer un petit peu le process de ce bâtiment ici ? Donc en fait, vous êtes une plateforme d'entraînement où on est là pour former les soudeurs et les habiliter. Donc on a une partie qui est formation sur le soudage, donc on a une partie soudage manuel et soudage automatique, et aussi une zone qui est réservée aux formations réglementaires et sécuritaires. Du coup, ici, c'est plus, si je vulgarise un peu, c'est les soudeurs qui tournent autour du tuyau, du tube. Alors que directement à Saint-Marcel, c'est directement les tubes, on va dire, en production. C'est ça. En fait, nous, principalement, comme on fait l'installation sur site, on est contraint par l'environnement et du coup, le soudeur est obligé de se déplacer autour des tuyauteries à assembler. Donc là, sur une machine comme vous voyez ici, en soudage orbital automatique, c'est la tête qui tourne autour du tube et non pas l'inverse, comme sur les sites de production. On utilise à la fois des aciers, donc tout ce qui est ferritique, et aussi l'inox sur le même bâtiment. On travaille les deux types de matières, voilà. Donc principalement l'acier inoxydable pour les soudures primaires et l'acier au carbone pour la soudure secondaire. Est-ce que tu peux me donner une tendance des épaisseurs, des plus petites jusqu'aux plus grosses ? Alors on peut aller sur entre 30 et 80 mm. Et après on a aussi des tout petits assemblages sur du 6 pouces où on est de l'ordre du 10 mm. Ça dépend en fait vraiment, on a un grand scope, une grande plage d'épaisseur. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise ? Ça va faire 14 ans que je suis chez Framatome. J'étais à Saint-Marcel, j'ai fait 7 ans à Saint-Marcel et maintenant ça fait 7 ans que je suis sur le site de Chalon-Yves. Et c'est toi qui t'occupes de la partie. Donc moi je suis responsable opérationnel de la plateforme d'entraînement avec mon collègue Alain Maraz qui est moniteur soudeur. Parfait, merci Jérémy. Merci à vous. Donc là je me trouve devant une pièce assez exceptionnelle. C'est de l'inox, c'est un tube 316L, 45 mm d'épaisseur. Et en fait l'opération pour pouvoir assembler les deux morceaux, donc déjà doit s'effectuer sous atmosphère inerte, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on renvoie un gaz pour chasser l'éventuelle oxydation.
Et donc là, c'est sur une tête ouverte, ça veut dire que c'est automatisé. Au moment de l'installation, qui est assez longue, et au moment de la fin, de la terminaison de soudage, c'est à peu près 3 semaines l'opération. Donc c'est pour dire quand même que c'est vachement important. Antoine, on est équipés tous de surchaussures. J'imagine que c'est pour visiter un atelier bien spécial. Où sommes-nous ? Alors, on est dans un atelier inox qui est spécifique et qui fabrique les branches primaires. Donc, ce sont des tuyauteries qui permettent de raccorder les composants qui fabriquent à Saint-Marcel entre eux. Donc, les gens qu'on a vus juste avant viendront justement raccorder toutes ces pièces-là. Voilà, tout ce qui est fabriqué ici sera soudé sur site, sur nos composants, par les équipes vues précédemment. Donc là, on est sur une base inox type 18-10 principalement. Les épaisseurs, c'est quoi ? Environ 80 mm. Donc là, je me trouve à côté de Louise. Bonjour Louise. Bonjour Christophe. Qui es-tu et que fais-tu chez Framatome ? Ben, Louise Triquet, donc je suis responsable du recrutement pour l'une des entités de Framatome. Tu es en charge aussi de nous aider sur le championnat de France 2023. Donc on rappelle aussi qu'on s'est connus sur le championnat de France 2021. Donc déjà, merci pour tous les moyens mis en œuvre pour pouvoir accueillir nos soudeurs sur les centres de sélection et surtout sur la compétition à Vierzon. Et moi, j'ai envie de te poser quelques questions. Okay. Quels sont les métiers importants au sein de Framatome ? 3 grands métiers chez Framatome. La production, l'intervention sur site et l'ingénierie. Est-ce qu'actuellement, chez Framatome, vous recherchez des métiers bien spécifiques ? Donc Framatome, il faut savoir que cette année, c'est 1500 CDI partout en France. Donc il y a beaucoup d'opportunités à saisir en ce moment, donc dans les 3 métiers que j'ai cités juste avant. Et si on va un peu plus spécifiquement dans le détail, en soudage, on recherche des soudeurs pour travailler donc sur les équipements que tu as pu découvrir aujourd'hui. On recherche également sur la partie grand déplacement, donc intervention sur site. Installation. Exactement, installation. On recherche des chaudronniers également pour travailler sur les centrales. Et puis après, d'autres métiers qui vont être autour, que ce soit au niveau technicien, niveau ingénieur, c'est assez large sur le type de recherche qu'on a aujourd'hui. Et autour de ça, on recherche bien sûr pour contrôler toutes nos pièces et assurer la sûreté de nos composants, des contrôleurs non destructifs. Alors évidemment, pour ceux que ça intéresse, dans la description, vous aurez les contacts. En attendant, je remercie énormément Framatome ainsi que toute l'équipe de nous avoir reçus. On espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt sur Soudeur 2.0. Ciao ! Merci beaucoup.